l'ennemi des pirates! Comment t'oses te montrer ici? Enchanté, amiral. Moi, c'est Sicard, capitaine remplaçant des bourreaux. Merci d'avoir accepté ces pourparlers, Sicard. À présent, si tu as un message de la part de votre chef Ilfir, je suis tout oui. Nos exigences sont simples. Mettez fin à la politique de réconciliation avec les tribus barbares. C'est tout. L'Imsa Lominsa est LA cité des pirates. Et les pirates, ça vit que pour trois choses. Piller, tuer et festoyer. Tous ceux qui s'opposent à ça sont des ennemis de la nation. Ouais, il a raison! On est pirates et fiers de l'être! On se laissera pas faire! Les pirates sont voués à disparaître, tôt ou tard. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Les pirates vont disparaître! Tu as raison lorsque tu dis que l'Imsa Lominsa est la cité des pirates. Mais cela ne représente qu'une facette de son histoire. Nos ancêtres ont fui la tyrannie du roi des mers du Nord pour venir s'installer sur Villebrand. Ces mêmes ancêtres, rongés par la pauvreté après leur défaite contre les forces du despote, se retrouvèrent face aux kobolds des terres intérieures de l'île. Incapables de leur tenir tête, ils eurent une idée pour s'enrichir, la piraterie. Plus tard, quand la menace de l'Empire de Garlemald est devenue bien trop forte, nous avons choisi de nous allier aux autres nations éorzéennes et d'épargner certaines cibles. Tous ces choix, nous les avons faits pour survivre. Cela nous a permis d'être unis et de repousser l'envahisseur à plusieurs reprises. Grâce à l'Alliance, le commerce est plus florissant que jamais. Et ce pays n'a plus besoin de piller pour subsister. Aujourd'hui, Garlemald est sur le point de tomber. Des provinces comme Werlit ou Bozia sont sur le chemin de l'indépendance. Nous possédons la plus grande flotte d'Eorzea. Il serait idiot de ne pas saisir cette chance de devenir les maîtres du commerce maritime. Et alors que le courant de l'histoire semble nous porter, cette folle idée de vivre de la piraterie reste ancrée dans vos esprits? Comment voulez-vous avancer en faisant face au vent? Dans cette nouvelle ère qui s'annonce, les kobolds et les sawagines pourraient être de précieux alliés. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de les accueillir à bord pour étendre notre influence au-delà de Villebrand? Peu importe tes beaux discours et ta soi-disant logique bien propre, on est des pirates! Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre, hein? Si on en vient aux armes, il y aura des morts des deux côtés. Et je vois qu'une solution pour éviter ça. T'étais toi-même à la tête du clan du Sable d'Argent, Merlweeb. Tu as la piraterie dans le sang, pas vrai? Et tu sais comment on règle nos différends entre boucaniers. Un duel. C'est donc ça que tu veux. Soit. En tant qu'amiral de l'Imsa Lominsa, j'accepte ton défi.
C'est pas fini. Le combat est pas terminé, tant que l'adversaire respire encore. Allez, achève-moi! C'est le boss! Le vieil Ylfir est debout! Le duel est terminé. Tu as perdu, admets-le. Capitaine! J'ai l'impression que ces têtes brûlées ont profité de mon absence pour prendre des décisions inconsidérées. Écoutez-moi tous. En signant l'accord Galadion, nous sommes tous devenus membres de l'équipage du navire nommé Limsa Lominsa. Et c'est Merlwib, ici présente, qui est à la barre. Personne ne peut mettre en doute le cap qu'elle choisit. Est-ce que c'est clair? Le premier qui se mutine, je le balance au requin pigé. Mais capitaine, on est des pirates! Comment vous pouvez nous demander de renier notre nature? Triple buse! De quoi t'as peur à ton âge? Un pirate, tel que moi je l'imagine, n'est pas un simple voleur. C'est quelqu'un qui vit selon un code d'honneur strict, qui a été pris de liberté, et dont le cœur appartient à jamais à la mer. Si je dois être le dernier boucanier qui a passé sa vie à piller les mers, alors qu'il en soit ainsi, c'est maintenant à vous de créer une nouvelle ère des pirates, un renouveau des bourreaux. Vu mon âge avancé, tout reposera bientôt sur les épaules de mon successeur. Sicard, tu te sens à la hauteur? Bien, c'est décidé. Mes excuses pour le dérangement, amiral. Nous sommes prêts à naviguer avec vous sur des mers plus ignorées. Merci, Ylfir. Vous avez choisi de manier l'annihilateur pour ce duel. Dire que c'est cette arme qui aura scellé le destin des pirates. Elle porte bien son nom. Barbe Brume a disparu sans laisser de traces. Et ma dernière heure arrivera bientôt. Mais ce qui mettra définitivement un terme à l'ère des pirates, ce sera l'effondrement de l'Empire et la fin de la guerre. Les tempêtes et les courants seront toujours là, eux. Alors, on compte sur vous pour tenir la barre, amiral.